Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc, on va reprendre un hélicoptère hein, parce que bon, les shop-shop, on adore ça. Nous avons quelques points à revoir, à voir et à revoir, je dirais même. En l'occurrence, nous allons nous rendre d'abord ici, puisqu'ici il y a un mode d'arme pour sniper et un intel critique. Donc j'ai envie de commencer par là. Tant pis pour la prise de risque. Et on avance. Vous savez qu'il y a beaucoup, énormément, que dis-je, trop d'anti-aériens dans cette zone. Et pourtant, nous y allons en hélicoptère. D'ailleurs, je me demande si c'est pas fait exprès. Il est clair que ça donne un avantage plus que certain. Allez, on essaie d'y arriver cette fois-ci. Putain. Suficiente para cortar las bolas del tipo que rondaba alrededor de mi hermana. Sniper là-bas. Il n'y en a plus. Il est invisible là, recule. Je crois qu'on les a énervés. Ils savent qu'on est là, ils savent qu'on est là, tout est relatif. Hein. Il n'y a plus qu'une cible, je crois. S'il y en a encore une, il n'y en a plus qu'une. Voilà, problème résolu. Ok, donc l'intel critique n'est pas dans la poubelle. Il est ici, sur la carte. Paf, je prends. Ça c'est fait. Bla. De la Santa Blanca à Barbechos. Décile. Ce qu'on a à faire, c'est le braquer et faire porter le chapeau à notre cher ami Poulpo. Ça a l'air plutôt simple, non? Si seulement. Bla. Ici Nomade, je t'appelle de Barbechos. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On est belle. On a prévu de forcer le coffre de Nidia. Rassemble une équipe et attendez qu'on vous appelle. Prévois suffisamment de monde pour transporter tout le cash. Está bien. J'avertis mes camarades. Et j'ai trouvé. Parfait. Une amélioration d'armes que je ne peux apparemment toujours pas utiliser. Caisse d'armement. Elle me demandait sur quelle arme je peux utiliser ces améliorations, quoi, au bout d'un moment. Voilà, moi j'ai quoi? J'ai le L, oh, d'accord. Pièce. Canon. Court. Donc, ça m'intéresse pas. Nouveau. Crosse compensée, crosse d'usine, d'accord. Lunettes, semi-auto, hop. Poignée inclinée, shift. D'accord. Ah bon, ça me semble pas... Enfin, c'est un peu embêtant de trouver des trucs pour des armes que tu ne peux pas utiliser. Ça me semble logique, certes. Mais bon, pour le reste, je trouve pas ça effectivement hyper méga efficace. Bon, c'est pas grave, on a un point déjà. Le plus proche, grosso modo, ce sera pas celui-là, ce sera celui-là. De toute façon, il faudra qu'on aille chercher celui-là à un moment ou à un autre. Donc moi, je dirais, on va se téléporter. Pourquoi accès rapide? Pourquoi accès rapide impossible? Parce que j'étais en train de monter sur la moto. Wouh! C'était compliqué tout ça. Ça c'est une belle explosion cela dit. Les alarmes appellent des hélicoptères. Ah, c'est pas que des renforts, c'est principalement des hélicoptères. Pardon. Excusez-moi, ça me pète les couilles. Et quand ça me pète les couilles, ça me pète les couilles. Voilà, c'est bon. Voilà. J'aimerais aller là, en hélicoptère. Vous avez éliminé deux des plus gros fils de pute de toute la Bolivie.
C'est bien ça. C'est moi qui pilote. Baisse ta culotte. Ok. Ouais, surtout qu'en fait là on est dans un hélicoptère donc ça se pilote, ça ne se conduit pas l'ami. Mais ce n'est pas grave, je vais faire comme si tu étais un peu bête et puis c'est pas grave, ça va. Ça va bien se passer. D'accord. D'accord, il y a plusieurs missions à faire dans le coin. Oui, oui, vous avez tous eu peur. Je m'en doute. Moi aussi, j'ai eu peur. Ce sont des choses qui arrivent. La peur ne nous rend que plus forts. Ou plus faibles. Ça dépend les gens. Non, tu crois ? Je déploie le drone. J'ai repéré un autre ennemi. Ennemi numéro 3. Avec lui, ça fait 5. Non, non, j'étais avec le bon. J'ai l'impression que le zoom de ce flingue est débile. Putain, l'autre qui rentre à ce moment précis. Putain, ils se regroupent tous. C'est quoi ce bordel? Bonjour. RAS de ce côté. T'as peur? Bah tu devrais. Pas parce que je vais t'ouvrir le ventre et te renvoyer avec les entrailles en bandoulière, mais parce que je viens détruire tout ce que je connais. La Santa Blanca va tomber en poussière et disparaître des mémoires. Va donc dire à tes amis ou ce qu'il en reste qu'ils n'ont plus d'issue. Aguanten! Aguanten! Par pitié! Neta tranquis! Quelle tête de nœud, il a de la chance que je lui ai pas collé une bassos. D'accord. Rendu service. Là tout le monde sait que c'est une gonzesse. Ils vont faire de sa vie un enfer. J'ai trouvé la feuille de route d'un convoi de fond au départ de la Banco des Barbechos. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de séparer un camion du troupeau et de livrer le butin au garage de Pulpo. Si Conan laisse fuiter Anidia à l'emplacement du camion, on n'a plus qu'à profiter du spectacle. D'accord. Apparemment, je me suis planté tout à l'heure. Je me suis juste complètement planté. Inspecter l'accessoire. Ben voilà! D'accord. Crac, bah voilà un pistolet qui commence à avoir une grosse grosse gueule de malade mental. Parfait. Parfait, parfait. La suite. On pourrait peut-être rejoindre cet endroit là, genre facilement. Via la petite route, non? Je sais pas. Je sais pas, je me dis que... Ou via de la ligne droite tout simplement. Y'a pas de motocross ici du coup? Si, j'ai cru en voir une tout à l'heure à l'entrée. Là. Ok. Voyons voir ce que ça vaut. Je sais que c'est devenu dangereux le motocross maintenant depuis. Depuis quelques temps. Oh là là, c'est quand même assez génial. J'aimerais tellement que ce soit en première personne. Par contre là, en termes de physique, c'est pas tout à fait ça. Hein. En vrai, là, j'ai le pied toujours normalement, je vais beaucoup moins vite et j'ai le pied toujours sur la roche pour m'assurer que je, voilà, que ça n'arrive pas en fait, précisément. Ok. Bon, on s'en est sorti, c'est toujours ça. La suite.
Et ouais, finalement on a gagné du temps, parce qu'on aura fait de la téléportation, et puis après on aurait pris un hélico, puis après on serait monté, puis après on serait déplacé, puis après on serait redescendu en parachute. On serait pas arrivé, je pense. Maison de lieutenant. Ah bah ça a le mérite d'être clair comme ça. Maison de méchant. Ok. J'en vois un autre ennemi repéré. Il n'y a pas grand monde finalement. Dans la maison du méchant. Je désigne un capitaine. J'arrive à 5. Je crois qu'il y en a encore un dans le coin là. Voilà. Parfait. Non, t'as rien vu, je t'assure que t'as rien vu. Ok. Ça passe tout seul. C'est pas la bonne. Ça, ça peut toujours être intéressant. Crac. J'ai localisé un hélico logistique du cartel. On devrait peut-être l'amener aux rebelles. Il y avait une porte ici. D'accord. Bon. C'est ici. Crac. Qu'est-ce que c'est? Des photos compromettantes de Miss Nydia. Nydia. Est-ce qu'il y a une adresse de livraison source reçue? Eh bien, oui. Je parie qu'elle a passé commande depuis un ordinateur à cette adresse. Si on le pirate, on peut faire croire qu'elle détourne de l'argent. Bonne idée, on y va. Ça, c'est une décoration. J'ai l'impression que ça sort d'une boîte de céréales, ou pire, de l'Air Force. Ah, ils font pas mine, hein. Quoi? Ah bah oui, c'est vrai, alarme égale hélico. J'avais oublié ce détail. Hop. Oh là 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 là, mais je vais devoir péter deux hélicos et ça va prendre du temps. Genre 4 secondes. Par hélico. Voilà. Voilà, plus de problème d'hélicoptère. Bon les filles, on va reprendre la voiture, on va monter, on va se barrer. OK, allez les filles, en voiture. En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Hop. On est bon. Bon bah, vu qu'elle est là. Vu qu'elle est là, autant la faire. S'il arrive à rattraper le camion suite à ça, parce que là pour le coup... C'est une berline, hein, mais c'est pas une sportive du tout. Hein. Clairement, là, je m'en rends bien compte. Hein. Et j'ai peur que nous perdions notre cible. Ah là 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 là, ce serait dommage, ce serait dommage. Allez, c'est bon, elle est à moins de 500 mètres, ça va, on la rattrape. Wouh! Wouhou! Road Warrior, apparemment. Voilà. Allez, assaut. Voilà. Mais tire pas dans le camion. Tire pas dans le camion. Arrêtez. Wow, 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 wow! Un connard de moi. Merci! Par contre, il est dans la merde le machin. On va y déposer le camion. Un comptable qui tient un garage, c'est quoi cette histoire? Il doit investir dans différents business pour contribuer à blanchir l'argent de son boss. Certes. Ok, on y va. Bon. Tout va mal. On a un camion à moitié mort.
Je fais des excès de vitesse en descente avec un camion, ce qui n'est pas safe du tout. Surtout quand on sait qu'il y a des chutes à... À quoi ? 25 mètres ? Bon, mais bah non, bah là du coup c'est beaucoup plus que 25 mètres là pour le coup, je crois que ça va être moins que ça, mais non. Ok. Bref, il y a la mort juste à côté. El Sueno, tu peux te taire s'il te plaît, merci. Crac. Sueño, pardon. Sueno, oh Sueno ça te va bien, je me moque un peu. Bon, je me moque d'un accent et donc d'un pays et d'une langue, mais bon, c'est... Enfin, c'est à minimiser, c'est pas ça le pire. Je me moque du bonhomme surtout, quoi. Quoi ? Mais putain, mais... On est d'accord. Je sors du bâtiment qu'on voit là-bas, là. Et je le ramène ici. Voilà le garage. Euro Truck Simulator sort de ce corps. Ah, je croyais que ça passerait, merde. Merde. Putain, il me cherche ou quoi ? Là-bas, c'est un sicario. Vers le conteneur, là-bas. Comment je sors d'ici, moi ? Attendez, je vais tenter un truc. Regardez. Regardez. On va essayer ça. Putain, il veut pas. Je voulais monter sur le camion. Oh putain, si. Non ! Non ! Non ! Putain. Comment je sors ? J'en vois un autre. Pourquoi j'ai un pointeur rouge maintenant ? Le pointeur rouge qui est censé être sur le pistolet ne fonctionne pas. Il fonctionne sur le laser du... Oh putain. Ce jeu. Oh putain. Non, je suis en train de penser à un truc, mais non. Comment je sors ? Il y a carrément un bug. Il y a carrément un bug, chers amis. Je peux même plus zoomer avec mon sniper. Putain. On apprendra à vouloir mettre des trucs sur ce flingue. Voilà. Et ose me dire que ça continue à bugger. Il veut plus zoomer. C'est bon ? Tu veux bien ?
qui me voit ? Quoi ? Quoi ? Engagez les cibles. Ah, j'ai pas eu le choix en fait, je me suis fait repérer aussi sec. Incroyable. Absolument incroyable, j'espère que j'ai pas refaire toute la mission. Putain ! Oh là 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 là. Eh ben écoutez, chers amis, moi ça commence à me péter les couilles. Cette histoire. La seule vraie chose qui va me permettre de savoir si je vais la continuer cette mission, c'est si je me téléporte là, est-ce qu'il reste au même endroit ou pas. S'il se déplace, je l'arrête. Et j'arrête l'épisode parce que là, il y a eu moult bugs au niveau de cette, cet épisode. Que ce soit les bugs d'armes, enfin de cette session. Bugs d'armes, bugs de commande de mission, bugs de commande d'IA, bugs de comment que ça s'appelle. Putain, il y est en plus, je suis obligé de le faire maintenant. Moto, moto, allô moto, voilà. Je veux la moto. Poussez-vous. Allez-y, je vous rejoins. Le problème c'est que si je descends de là, je meurs. Crac. Oh, bah je meurs quand même. Bon, bah on laisse tomber, chers amis. On laisse tomber. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus à la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Désolé, mais là, en termes de bugs, j'ai suffisamment recommencé des missions dans cette session. Je m'arrête. Je suis désolé. D'abord.